Alors, on est dans la Mishnah. Alors, c'est Sukato Berosh Agala, Berosh Asfina. Kshera. Veolim la Yom Tov. Quelqu'un qui fait sa souka sur un carrosse. Sur un carrosse. Ou bien il fait sa souka sur un bateau. Kshera. Veolim la Yom Tov. Il est où le problème? Dans un bateau. Rashi dit Berosh Asfina shu makom gavoa shel Asfina. והים גבוה מאוד. ואין ערים מקיפים, והרוח שולטת שם ועוקרת. C'est-à-dire, Rashi, יפה מאוד, Rashi dit que le problème d'une sphina, c'est le manque de stabilité des murs. C'est ça l'idée. Parce que Rashi se pose la question, en quoi ça peut être, ça peut créer un problème? Si je mets une souka sur un bateau, mes amis, j'en ai. Il l'a fait de façon stable. Il a fait mode. C'est sûr qu'il y a plus de problèmes, il y a plus de risques. Ça veut dire quoi l'endroit le plus haut du bateau? Ben, c'est pas le mât quand même. Ah non. Non, il n'y a pas de la voie. Non, un bateau, c'est en hauteur déjà. Mais comme Gavoua chez la Sfina, ça veut dire peut-être Roche à Torren. Oui, on ne peut pas construire là-bas, tu as raison. Non, on ne peut pas construire en bas du bateau. On est obligé de construire en haut, parce qu'on est obligé d'être avec le vision au ciel. Donc, c'est sûr que c'est étant haut, il y a plus de vent. C'est plus sensible au vent. Kshera, Veolim, la Beyom Tov, Veroche, il a dans le Gavé Gamal. À la tête de l'arbre ou sur un chameau, aussi Kshira. Pourquoi un chameau d'Afka? Parce qu'un chameau, c'est assez large. C'est large. Véhen Rolim la Beyom Tov, on n'a pas le droit de monter ni sur le bateau, ni sur l'arbre, et ni sur le chameau. On n'a pas le droit, Mitzad Shvut, on n'a pas le droit de monter sur un arbre, Shabbat. D'après la Shabbat et Yom Tov, même sur un tronc d'arbre qui a été bien ras-ara. S'il est plus de 3 tfarim du sol, on n'a pas le droit de s'asseoir là-dessus. C'est dans un jardin. Il y a un arbre coupé à ras. Pourquoi? En Rolim Bailan, Zira de Chachamim. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de Evdel. C'est pas de couper une droite, par contre. C'est une Zira. Il y a un gros tronc. Ouais, mais ils avaient été bétaillés une xéra sur un problème. Oui. Oui, parce que les gens, ils peuvent monter sur l'arbre, ils peuvent couper des branches. Alors, ils ont interdit tout. Ils ont fait une xéra. Quand il y a une xéra, quand il y a une xéra, il faut savoir, il y a schéma et il y a xéra. Xéra, c'est que ça a été scellé. On dit scellé ou c'est clé? Scellé. Ça a été scellé. Pareil, sur un animal, on a interdit de monter sur un animal pour ne pas qu'on prend une branche pour chevaucher l'animal. Shtaim Bailan, Ve'achat Bide Adam, deux murs qui sont composés du fait qu'il y a l'arbre et une qui a été faite par l'homme. Shtaim Bide Adam, Ve'achat Bailan, deux. Par un homme et Rad Bailan qui est Shiravé et Nolim la Beyom Tov. Pourquoi? Parce que elle dépend, le troisième mur, du moment où le troisième mur il dépend d'un arbre, donc on reste dans la Xéra, le schéma. La Xéra, elle a lieu toujours. Shalosh Bide Adam et Rad Bailan. Quand on a trois murs qui ont été faits par l'homme et il y a un mur naturel qui est fait par l'arbre. Pourquoi? Zéakla, la Mishnah tout de suite te donne la règle. Kol shinate la ilan v'yichola la amod bifnei atzma. Si j'enlève l'arbre, la souka ne devient pas saoul? Non. Elle a déjà trois murs. Donc, v'yichola la amod bifnei atzma kshira v'olin la baruch haba v'olin la b'yom tov. C'est quoi le chidouche là-dedans? Parce qu'on sait déjà que la souka est en bout de l'air. Te dire que même que tu as un problème ici de moukhtse. Normalement, tu as un problème de moukhtse. On pourrait dire que c'est interdit. Il te dit, tu ne peux pas interdire. Pourquoi? Parce que si tu l'enlèves, c'est caché. Pourtant, on peut quand même. Et pourtant, je le touche. Je peux le toucher mur. Potentiellement.
Touché, oui. La xéra, elle est limitée. Plus importante que le monde. Comme c'est une minorité, il y a moins de risques que le monde. Ils n'ont pas été gozrim là-dessus. C'est batté. Ça veut dire, c'est pas une. C'est plus une souka. C'est plus une souka problématique. C'est plus une souka problématique. C'est une notion particulière. Ah. Là, c'est une notion particulière. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire à quelqu'un de profiter de cette souka parce qu'il pourrait ne pas en avoir d'autres. Non. C'est pas ça la raison. Non. Allez, vous savez que pour un issur des rabbanan, tu as un couteau de Brit Mila. D'accord ? Un couteau de Mila. Et il y a dessus Moukhtse Mahmad Goufo. Tu n'enlèves pas ? Mais tu. Sauf si c'est Minatad, Adidea Katan. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas transgresser un issur des Rabbanan. Et donc, je ne ferai pas la Mila. Naron. Mila des Raïta. Tu n'as pas de couteau. N. S'il n'a pas été mis au Khadoto, il va finir le Shabbat. S'il n'y a pas eu quelque chose, oui, s'il n'y a pas eu l'arrêt. Une Xéra des Rachamim va annuler un Khadoto de Raïta. Tu as le couteau de la Mila dans une voiture. Pour ouvrir, c'est issur des Rabbanan. Et faire sortir le couteau. Si t'es pas un goy, t'as pas le droit de le faire. On fait pas un issour. D'après la halakha, tu fais jamais un issour si c'est avant la mitzvah. Qui a dit que tu vas faire la mitzvah d'une raison ou d'une autre. Tu vas te retrouver avec un issour. Non, Rabbanan, dans la réserve, toujours en sorte que quand c'est. Logazroubim, comme Holé. Logazroubim, c'est ça. Non, le malade, il est malade, Logazroubim. Mais. De défaire un issour mis des rabbanan. L'esprit de la xéra, elle est quand même de ne pas entraîner à accomplir une mitzvah de la Torah. On peut pas, au contraire. Le but, c'est de faire. Il faut savoir que quand il y a une loi, la loi, elle est faite pour 10 millions de personnes. Les exceptions, la loi, elle prévoit pas. C'est une loi. C'est ça, xéra. Est-ce que tu dis. J'interdis de rouler plus que 80, sauf pour celui qui a un rendez-vous en urgence et qui a. Prends-toi la police et après explique ça au tribunal. Peut-être. Pour ça, il y a le juge qui va dire. Les ambulances font ça. Elles sont autorisées. L'ambulance est dans la. L'ambulance, elle est elle-même en cas de. C'est tout d'exception. Un cas de. Voilà. Elle-même, c'est une exception. Mais là, c'est. Mais c'est pas un cas d'exception. Si tu laisses maintenant dans la main des gens, on ne peut pas laisser dans la main des gens. Celui-là, il va dire j'ai Brit Mila, l'autre, il va dire j'ai ça, l'autre, il va dire j'ai ça. Assour, mais tu crois que la victime Xéra. Elle est carrée. Elle ne rentre pas dans des. On n'a pas le droit de la faire passer. Du moment que tu as dit deux, trois exceptions, il n'y a plus de xéra. C'est parti. Il ne va pas y avoir de xéra. Il faut savoir. Dès que tu donnes deux, trois, quatre portes, nique-moi. Dans un deoraita, oui, tu peux donner. L'agma, elle dit. Oui. Qui est l'auteur de notre Mishnah ? Pourquoi la Gemara dit qui est l'auteur de notre Mishnah ? Parce que. Pourquoi la Gemara dit qui est l'auteur de notre Mishnah ? Parce que la Gemara, elle a une histoire qui va casser l'idée de la Mishnah. Alors, elle veut savoir qui c'est l'auteur. Regardez l'histoire que la Gemara raconte. Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva était tout le temps dans sa vieillesse, il allait ramasser. C'est lui qui tenait toutes les yeshivotes. Il tournait beaucoup dans le monde. Il allait à Rome, il allait à Babel, il passait dans les communautés juives. Rabbi Akiva a vécu plus de 100 ans. Comment c'est ça ? Oui, il y a des braïtot qui racontent. Eux. Alors, dans un des voyages, regardez. Mané matnitin, Rabbi Akiva, il détanya, osé soukato, berosh asfina. Rabban Gamliel possède, il rend pas soul. Et Rabbi Akiva marchir. Pourquoi Maasé, Berabban Gamliel, Berabbi Akiva, Shayou Ba'in, Besfina. Voyagez beaucoup. Rabban Gamliel, c'est lui qui a fait la première vente du Hamed Sogoy, parce qu'il était Besfina. Alors, une fois Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, ils viennent en bateau. Ahmad Rabbi Akiva, Berasa Souka, Beroja Sfina, il a construit une Souka. Les Mahar Nashvarouar, Vakarta, Marlo Rabban Gamliel, Akiva. Il est surveillé, à peine taquin. Voilà. Amar Abaye,
découle al maïchadena yechola la amad de rouh metsuyadi yabasha lav kloumi. D'après tout le monde, c'est quoi le paramètre d'une souka kshera et pas kshera par rapport à sa résistance au vent, au vent? Il a fait raser rouh metsuya. Je construis une souka. Il a fait. Je suis à Ranana. La vitesse du vent à Ranana, c'est 60 km en moyenne. 50, 30, je ne sais pas moi. Je donne un chiffre. La vitesse en moyenne, je ne sais pas, c'est combien la vitesse du vent ici? 10 km? 20? 20 km, c'est le Rouh Metsuya. Il y a des paramètres. Aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver ça sur l'ordinateur. Vitesse du vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Ranana, admettons, si la vitesse du vent elle est 30 km ou 50 km, il faut que ma souka résiste à 50. Zéouzé. Elle résiste à 50. Le vent normal, il y a eu un vent de 60 qui l'a fait tomber, elle est cachée. Pourquoi? Parce que le roi a dit ça. Ah, c'est dépend de la vitesse du vent, 5 km/h. 5 Là, il va de vent. Ça veut dire, ok, disons que chacun. C'est-à-dire, il va faire, magnifique ce que tu dis. C'est-à-dire qu'un vent normal dans le coin, il est à 5 km. Ma souka, je dois calculer par rapport à ça. Il y a eu un vent de 10 km qui m'a fait tomber ma souka, elle est cachée. Parce qu'elle tient 5. Par contre, dans un endroit qui est très haut, où il y a du vent, tout le temps, du vent de 20 km, ça s'appelle Rouach Metsuya. Il faut qu'il soit plus que 20, qu'il résiste à plus que 20. Alors il te dit, quand elle ne tient pas, mais moi j'ai fait des kavanot à Rajash pour que Akadosh Baruch Hu il n'amène pas le vent sur ma souka. Vous savez qu'il y a eu un Rabbi Baruch de Mejibouj, le petit-fils du Baal Shem Tov. Il pleuvait en Ukraine et il faisait une kavana et chez lui dans la souka il n'y avait pas de pluie. Et Rabbi, oui, et Rabbi Meshulam Igra était dans la ville et toute la ville rentrait dans la maison. Et lui, il restait dans sa souka. Alors, il lui a dit, viens chez moi, tu peux accomplir la mitzvah de souka chez moi. Il lui a dit, une souka qui est valable, d'après chez moi, Takdoshim, ce n'est pas une souka. Tout le din de souka, c'est Metsuya. Alors, je ne voulais pas y aller. Si c'est Metsuya pour lui là-bas. Il ne voulait pas. On a dit en hauteur, c'est différent. Il ne voulait pas aller. Il ne voulait pas aller. Oui, mais si lui avait le mérite quelque part, pas qu'il puisse nuire, c'est lui seul, il pas le voir. Alors il a dit, c'est pas une chokma de faire une souka kasher par chez Mota Kodesh. Intéressant. Ce même Rabbi Meshulam Igra, on lui a proposé un shidour, la fille de Rabbi Baruch, pour son fils. Donc il a dit à Rabbi Baruch, il a dit, tu sais, il faut prendre pour un homme, il doit faire un. Tout pour prendre une fille de Talmid Chacham. Donc montre-moi que tu es Talmid Chacham, comme ça je prends ta fille pour mon fils. Je vais te poser une question. Une question sur le Talmud de Jérusalem. D'où Rabbi Yochanan il a tiré sa conséquence à la Rikki. Il a posé une question qui était une bombe. Rabbi Baruch de Mejibouj. Il a dit, laisse-moi allumer ma pipe. Laisse-moi allumer ma pipe et je te dis une réponse. Il est sorti dehors, il a dit, Akadosh Baruch, on n'humilie pas les petits-enfants du Baal Shem Tov, donne-moi la... Il est rentré, il a dit à Rabbi Meshulam Igra tout de suite la réponse. Il a reçu. Rabbi Meshulam, quand il a... Vous savez, il est devenu pâle. Il a dit, écoute, cette question... Je l'ai posé à tous les guéonymes de la génération. Personne qui assume la répondre. Moi, j'ai trouvé la réponse après des années. Et toi, tu es venu me le dire en 10 minutes. Je suis choqué. Je suis choqué de ta grandeur. Et lui a dit, on me l'a dévoilé du ciel. Ici, on t'a dévoilé du ciel, on ne fait pas de chidour. T'es pas un tamit haram. T'es pas un vrai tamit haram. On t'a dit du ciel. Triche. Il a dit Maher Patlecha. C'est celui qui l'a enseigné à Rabbi Yochanan qui l'a enseigné. C'était Monsieur Lamigra et Rabbi Baruch de Mejibouj. Alors il dit
Quand elle ne tient pas Beruach Metsuya, quand il ne tient pas Beruach Metsuya, Bevata, il est coulé à Alma Passou. Une souka qui ne résiste pas dans un vent de 5 km, qui a réussi à faire un miracle, qui n'a pas eu de vent pendant 6 jours, 7 jours. Il n'y a pas eu de vent, elle a tenu. Tu as eu des gens qui étaient là pour tenir ta souka. Ça aide. Bravo. Tu as eu des gens qui sont venus pour tenir ta souka. Cachère. Elle n'est pas cachère. Non, parce qu'elle ne tient pas de moi, Mathieu. Maintenant, quand elle est. Elle ne tient pas Beruach Shehena Metsuya non plus. Je ne suis pas obligé de faire une souka qui résiste à un vent qui n'est pas fréquent, parce qu'après un vent, il y a un vent de 100 km/h qui est presque un orican ou un. Hein? Même des maisons ne tiennent pas. Exact, même des maisons ne tiennent pas. Alors, c'est quoi la définition d'un vent? C'est quoi la définition? Si on commence à parler d'un vent qui n'est pas fréquent, on ne sait plus qu'est-ce qui est fréquent, qu'est-ce qui n'est pas fréquent. Alors, dans les mots de la Gemara, Amar Abaye, découle alma echad de enay echola la amod beruach metsuya de yabasha. De quel vent on parle? Vous entendez? Un vent de yabasha. De yabasha. Un vent de yabasha dans les océans. C'est terrible les vents qu'il y a dans l'océan. Il y a des vents incroyables. Yabasha, c'est la terre. La terre, oui. Ça veut dire beruach de yabasha, les coule à alma, c'est bon. Ça veut dire. Si elle ne tient pas la cloumi. Il y a la ramot bechena metsuya de yabasha, kula alma. L'obligé de kshira. Quand elle tient aussi. Bechena metsuya ki. Pligé de yichola la ramot beruach de yabasha. Veena yichola la ramot beruach metsuya de yam. C'est comme ça qu'il faut dire. Il y a une girsa. Regardez en parenthèse. Vous voyez l'étoile? Il y a l'étoile dans les parenthèses. Il faut dire. C'est le tosfot qui rigoresse comme ça. On a supprimé. Ce qui est écrit dans la Gemara, parce que ça ne s'arrange pas. Donc le Tosfot, il explique Sheena yichola la'amod beruach metsuya de yam. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a le. Il y a le. Je vois l'étoile, mais je ne vois pas où. Regarde à côté. Voilà. Tsarich Lomar, vous voyez toujours dans les côtés, il y a une parenthèse qui explique. Donc le Tosfot, il est gores. Veena yichola la'amod beruach metsuya de yam. Ça veut dire ruach metsuya de yabasha, il tient. Même Ruach Shirina Metsuya de Yabasha, elle peut encore tenir de temps en temps. Mais Ruach Metsuya de Yab, maintenant où j'ai construit mon Masuka? Au port. Au port. Je suis rentré avec dans la mer. Troisième jour de Soukot, un vent de. Il est venu, il m'a détruit Masuka. Donc je veux savoir, est-ce que j'étais acquitté par rapport à ma mitzvah? Est-ce que j'ai mangé dans une Souka qui n'est pas Kshira dorénavant? Mais j'ai pris là. Bah oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors il dira, Ban Gamliel, ça va. Est-ce qu'on tient compte en fait du critère de l'endroit où je suis, c'est-à-dire à la Yam, ou alors est-ce que c'est. Il a fait merde. Il a fait. Qu'est-ce que la Torah elle a voulu dire? Alors maintenant, alors on revient. Si je suis en hauteur, alors je ne veux pas dire. Oui, normalement tout le monde est en bas à 100 mètres d'altitude, mais moi je suis là à 400 mètres, donc là où il y a un vent plus fort. Je tiens compte de l'endroit où je suis. À la Yam, à la Yam. Alors Ben Met, on rentre dans les Yeshivot, toujours ils adorent. Dans la. Les chivotes, tous les rachis chivotes, ils ont étudié à Brisk. Toujours, on dit, toujours, on peut partager toute la Torah. Khefta ve Gavra. Khefta, c'est de parler de la souka, et Gavra, c'est de parler de l'homme. Si je parle de la souka, hein, elle est kshira. Elle tient. Beruach Metsuya de Yabasha, elle tient. Je l'ai amenée dans l'eau après, elle ne tient pas. Mais dans la Khefta, elle est bonne. Les gens, ils habitent dans l'habitation. Mais si tu pars sur le gavra, sur l'homme, toi, tu dois t'asseoir dans une souka. Toi, tu es dans l'eau. Une souka ici, ne suffit pas une souka de yabasha. Refta de gavra, on peut dire. C'était relatif. Rabbi, il a fait même ordre. Rabban Gamliel, il regarde le gavra. D'ailleurs, c'est écrit. Basoukot, t'es chez vous, Shiva Yamim. Kola Ezar Be Israël, il est chez vous, Basoukot. S'il n'a pas une souka, c'est pas caché. C'est tu peux dire Soukot t'as assez large Soukad par rapport aux hommes il a fait. Alors on a un débat entre Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il regarde l'homme. Rabbi Akiva il regarde la souka. Il dit c'est du moment où c'est une souka qui est valable dans tous les endroits du monde. Elle y tient dans une Ruach Metsuya. Je l'ai amené dans un endroit qui n'est pas fréquent. Qu'est-ce que la Torah elle m'a dit de faire?
Alors, Rabban Gamliel, dorénavant, quand Rabbi Akiva il a voulu construire, il a dit, toute souka que tu construiras, elle ne tiendra pas sur le bateau. Elle ne tiendra pas. Avec le vent qui arrive. Pire que ça, le bateau peut être hacké. L'Ekshera, parce que le roi Metsuya a hacké, il est pas fort. Et si on sort avec, là, il n'est plus Ekshera. C'est la même souka qui peut être Ekshera à un moment donné, ouais. Elle n'est plus à un moment donné. Non, tu ne peux pas dire comme ça. Soit elle est Ekshera Bichla, soit elle n'est pas Ekshera dès le début. Non, elle est à Ban Gamliel, non. Si on va d'après le Khefza, est-ce que ce n'est pas par rapport à l'emplacement? Justement, si je sais que je vais aller là-bas, elle n'est pas bonne. Mais il est rentré là. Premier soir, je fais hacker. Et après, en fin de mois, je sais qu'il n'y a pas d'avion. Tu mets une souka sur un camion. D'accord. Mais le premier jour, je sais que j'allais rester là-bas. Elle tient. Alors, il y a dans les mots. Alors, il dit. Alors, mais regardez, c'est intéressant. Là, alors, Rabban Gamliel, il a dit, ne fais même pas de souka, tu n'es pas tombé la souka. Toute souka que tu vas construire sur le bateau, tu ne peux pas percer le bateau. Tu vas couler, certainement, à l'époque, les conditions de l'époque. C'est pas... Il dit, tu ne peux pas construire une souka, elle ne tient pas, Milratrila, mais pas de souka. Rabbi Akiva, il vient, il dit non. Il dit, du moment, la souka, la Torah, elle m'a dit, dira taraï, ça tient. Dans la majorité des endroits du monde, il n'y a pas beaucoup, combien de gens ils sont sur mer. Je mange, je tiens mon repas, après elle tombe la nuit, elle tombe. Pas grave. Rabbi Akiva, il veut se moquer de Rabbi Akiva. Elle est où ta souka? Elle est où ta souka? Allez, on va manger dans la souka. Elle est où? Ah, il faut la remonter. Alors il lui dit, Rabbi Akiva, ça va souka dirat kva baïna de kevan de naïkola la mode de wahmet souya de yam lok lumi. Rabbi Akiva, ça va souka dirat arai baïna de kevan de naïkola la mode de wahmet souya de yamacha kshira. Alors, et là, la haïk on va bien Akiva. Là, la haïk on va bien Akiva. Intéressant. Je t'ai de l'autre. Non, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, la mitzvah, c'est Gavra et pas la mitzvah, c'est Khefza et pas Gavra. Du moment que la souka, elle tient dans la majorité des hommes ou des endroits où les hommes habitent, Zéouzé. Tu prends une souka que tu as construite ici à Ranana sur un camion, elle résiste à Ranana. Tu montes avec elle au Khermon en haut, elle tombe avec le vent. Le vent. Kacha. Elle t'a mangé. Premier soir de souka. Et elle est tombée tout de suite après. Il y a quelqu'un qui a fait une souka qui résiste. Est-ce que tu as besoin d'aller parce que tu dis, dorénavant, ce n'était pas une souka, ma souka, et elle n'était pas cachère. Elle n'avait pas les bases qui peuvent tenir ici. Rabbi Akiva, il te dit non. Et c'est la même chose. Ça veut dire, un homme, il a fait, surtout en France, en Europe, où il y a du vent, etc. Tu as fait une souka, tout d'un coup, il y a eu un vent, il est venu, il t'a pris tout en srar, tout. Tu as mangé l'aile soukot, ton repas. Maintenant, tu vois que ton voisin. Tu te dis, ah, moi la mienne, j'ai bien renforcé les murs. Alors tu te dis, peut-être ma souka n'était pas cachère, parce qu'il s'avère qu'elle ne tenait pas. Je dois redescendre chez mon voisin pour manger kabetza. Non. Elle tenait Berouar Metsuya, c'était un vent qui n'est pas cachère. Sur le principe, on ne passe pas devant une mitzvah, même s'il a fait qu'un soir. Non, maintenant, demain, je vais la refaire, ça va m'enchaîner. Non, mais la question, est-ce que je dois remanger? Est-ce qu'il y a une obligation pour la veille du 15? Bon, maintenant, la Gemara, elle continue à commenter le deuxième sujet de la Mishnah, Al-Gabé Be'eva. Déjà, on veut savoir comment on peut faire une souka sur un animal. Alors, on va essayer de penser comment on fait. Alors, on connaît tous les dessins des éléphants en Inde, mais l'éléphant, ce n'est pas un animal fréquent en Israël. En plus, c'est écrit à Bema. Un éléphant, c'est Haya. Ce n'est pas Bema. Non, c'est Gamal. Gamal. Oui. Gamal, on les voit aussi sur Gamal. Ils mettent des surfaces là-haut. Gamal, c'est le chameau. Le chameau, il est large. Il est large. On a vu la semaine dernière que même... les taureaux pour faire la para à Douma, la vache rousse, on a envoyé Marala à sous de para. Bon. Alors déjà, Rachid dit, obligé. Alors il dit, est-ce que je peux faire comme une casserole, grande casserole, ou c'est ouvert,
et en haut du sraar, je le mets sur moi et je m'assois sur l'animal. Il fait une boîte en carton. Normal. Une boîte en carton. Je l'attache sur moi. Elle fait 1 mètre de hauteur. Il y a un plafond sraar, il y a une petite fenêtre. Je vois la route. Je chevauche l'animal et je mange autre temps. Et c'est cachère. Alors, il y a des mechitzot. C'est moi qui fais tenir les mechitzot. Je fais que même du fait que je suis assis, depuis le bas de mes pieds où je suis assis, elle penche un peu, je fais d'une manière comme ça. Et moi, je tiens ce carton sur l'animal. Il fait 1 mètre de hauteur, en plus, il déborde. Et j'ai mon sraar en haut, c'est caché. Est-ce que ça suffirait pour avoir une souka? Non, il y a aussi le sol. Ils font un sol ou ils font pas un sol? Vas-y, on avait dit qu'il y avait, la voûte. Ah, attends. Non, j'ai une souka kshéra, ça veut dire j'ai ma souka, la dimension. Je vais la faire, admettant, tu sais quoi, 1,5 mètre de hauteur, comme ça, c'est sûr qu'elle a passé les 10 points. Elle est large, plus de 70 cm, au chaud, au beau. J'ai mis mon sraar et je la tiens, je la supporte avec moi, je la lève avec moi. Je monte sur l'âne, je suis assis avec. Elle est bien attachée sur mes épaules, je l'ai tenue d'une bonne manière. Où je bouge, elle est avec moi. Je l'ai attachée avec quelque chose, sinon avec un bel touba, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça, c'est cachère? Moi, je dis oui. Juste par le principe, c'est tellement incroyable. Alors, regardez. On va voir Rashi. Regardez Rashi. Rashi nous a imposé quelque chose de nouveau. Que toi, soit, il va lui faire la remarque. Regardez Rashi Al-Gabébéma dans les lignes étroites. Cinquième ligne. Al-Gabébéma. Kegon. Rashi ne dit pas Al-Gabégamal. Vous avez vu? Rashi, il a changé la version de la. Pourquoi il a dit Béma? On va voir tout de suite. Regardez pourquoi. Parce que Rashi, ça ne lui convenait pas ce qu'il a dit Gamal. Vous allez voir le commentaire de Rashi. Et vous allez comprendre pourquoi Rashi, il a changé la version de la Mishnah. On reprend avec la Mishnah un petit point. Didier, Jacques Didier, regarde. C'est écrit dans la Mishnah. Berosh Eilan, O Al Gabé Gamal, Kshira, Nahon, dans la Mishnah. On revient dans la Gemara, dans les deux points. Regardez, O Al Gabé Gamal. Rashi, il ne dit pas Gamal. Il dit Al Gabé Béma. Pourquoi il ne dit pas Al Gamal? Vous allez voir tout de suite son commentaire. Al Gabé Béma, dans les lignes étroites, dans Rashi, qui gonne. Nathan Dlatot, Al-Shnesoussim. Al-Shnesoussim, Nathan Dlatot, il dit, il a pris 2 chevaux. Deux, il lui faut 2 et pas 1. Vasa, Vem Karka, Itasuka. Il dit, j'ai pris 2 portes. Non, d'abord, Rashi. Il dit, j'ai pris 2 chevaux. Je les ai mis un à côté de l'autre. Ils sont attachés dans la tête pour ne pas qu'ils s'éloignent, et dans les pieds certainement. J'ai mis 2 portes sur eux, sur leur dos. J'ai construit sur les portes, Masuka. Ça veut dire que pour Rashi, il faut qu'il y ait un socle. Non, mais là, ça m'échappe. Attends, c'est pour ça que Rashi ne voulait pas dire Al-Gabé Gamal, parce que sur un chameau, tu ne peux pas poser. Ce n'est pas stable. Tu ne peux pas poser. C'est pour ça que Rashi, il a changé la version de la Mishnah et il a dit Al-Gabé Béma. Tu ne connaissais pas? Quoi, il ne connaissait pas? Le Gamal, il ne connaissait pas. Ah, mais il voit, il sait, un chameau, il a une. Il n'a jamais vu peut-être. Non, mais ça tient pas. Les carrosses, on met effectivement des non, mais tu ne peux pas mettre. C'est haute pour lui, mais... Non, alors il a dit cheval, c'est facile, tu mets deux ânes, 2 chevaux. Ouais. Il a dit cheval, pas âne, parce que le cheval, il a plus de place. Et on peut mettre plus de cheval. Oui, mais c'est un sujet, il commence quelque chose qui n'est pas présent. Attends. Il change pour lui, il dit, c'est écrit dans la Mishnah, Al-Gabé Béhéma, c'est pas écrit Al-Gabé Gamal. Même Béhéma, c'est pas Béhéma. C'est deux. Masuka, moi, que moi, je vous dis, normalement, elle est logique. Où tu montes, tu t'assois avec. Tandis que pour Rashi, il faut des conditions, il en faut 2. Parce qu'il faut le carré. Arrête déjà dans la Mishnah, déjà ce qui est compliqué, même selon Rashi, on va maintenant penser logiquement. C'est écrit Al-Gabé Béma au singulier. Voilà, pas en pluriel. Si on en rachit, il en faut 2. Ah oui, c'est le problème. Pour mettre une porte, pour mettre 2 portes, il en faut 2. Bon, mais Rashi dit comme ça. Al-Gabé Béma, alors on lit Rashi. Kegon Nathan de la Tot, Al-Shnesoussim, Vehem Karkaï Tasuka, Vehasa Lemala,
il a construit sur ce socle. Ça, d'accord. Méritant. C'est un sol, c'est une boîte qui tient sur des chevaux. C'est qu'un sol. C'est ça. Tosfot, regardons Tosfot. Tosfot. Nat Agabema, le deuxième Tosfot de la page. Pire, Chakundres, Natan de la Total, j'étais sous Simiotam, Kalkarit, Asuka, Vasalema, la Méritant. Vesicher. Rabbi Yehuda, il a dit possède. D'accord ? C'est dans la Braïta, on va voir. Okay. Il dit, maintenant il dit, il y a le débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mikan caché les pirouches à Kuntres de Madlitin de Léel. Gabé Samar Soukato, Bekaré Amita, qui est des pires Léel. Regardez, Rashi Kafalef Amoudbet. Rashi, Siker Soukato, Bekara Amita. Mita Shlima Rashi, un lit entier. Et il continue à dire plus bas, Siker Alamita. Velo Samar Hasikur Bekraim, Ela Agabe Yetedot. On a dit qu'il avait mis le lit comme ça, qu'il y avait. Alors il dit Rachid, du moment, Rachid te dit, du moment que les murs sont bons, les murs sont bons. Toi, soit tu poses la question, comment ça se fait? Arrête-toi, tu dis que les. C'est-à-dire que Rachid a dit que tout ce qui nous intéresse, c'est le srach et pas les murs. Srach et pas les murs. C'est ce que Rachid a dit. Il a bien précisé. Regardez à la fin. Rachid te dit du moment où le srach il est fixe. Alors pourquoi Rachid demande, pourquoi là il demande un socle, un sol? C'est selon l'avis de Rabbi Akiva. Selon l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord. Alors, Tosfot Bemet, il s'embête. Depuis quand on a vu qu'il faut une stabilité d'un sol? Tosfot, il va répondre quelque chose qui est encore plus bizarre. Tosfot, qu'est-ce qu'il va expliquer, Rachid? Il va expliquer, j'ai fait une souka, elle tient sur le sol. J'ai fait rentrer mon animal là-dedans. Regardez. Veillez, je mets Farshim. On va voir tout de suite dans la Braïta. Rashi, il a expliqué tout simplement, j'ai fait une souka, mais le sol, il n'est pas propre. J'ai fait rentrer deux chevaux. J'ai mis des portes et je veux monter pour être bien dans ma souka, pour avoir une sorte de résistance. Alors il te dit, Rachid, il te dit, là, il y a un problème. Ok, la souka, elle est bonne, mais le problème, c'est que tu n'as pas le droit de monter sur un animal, de chevaucher un animal, même quand il y a une porte posée sur l'animal, il y a l'interdiction, la xerach, alors on lit mal bema beyomto. C'est ça ce qu'il veut dire. Al-Gabé-Béma. Ça veut dire le ridouche de Rashi. Rashi, pourquoi il est parti dire, s'éloigner tellement? Me dire deux chevaux, j'ai mis des planches en bois dessus, pour me dire que dans, même dans ce cas, que je ne chevauche pas l'animal avec un pied de ce côté, un pied de l'autre côté, c'est assaut. Et Mishtamshim Bébéma, Kral-Béikar selon Rabbi. Même pour la soukha, on n'utilise pas. C'est vrai, c'est un peu tiré des cheveux, mais ça veut dire. Selon Tosfot, le commentaire de Rachid, il n'est pas venu pour me dire que je cachérise la souka. Il est venu pour me dire que ce n'est pas soul, même dans ces conditions, ce n'est pas soul. Même s'il y a un socle, ce n'est pas soul parce que en olim la be yom tov. Il y a une question dans la halakha. Une souka qui n'est pas cachère pour yom tov et elle est cachère pour Chol HaMoed. Est-ce que c'est une souka
où il faut une souka que dans sa théorie, elle doit être cachère 7 jours. La Mishnah elle-même, elle répond. Quoi? Ben, si on monte cette semaine, Yom-Tov, on ne monte pas. Hein? Ilan, dans un Ilan. Et non, l'Imla Yom-Tov. Yom-Tov. Donc ça veut dire qu'en dehors, oui. Donc c'est une souka qui mais dans la, dans la Braïta, on va voir, vous allez voir, il faut une souka qui a besoin, regardez, on va voir, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et en même temps de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda dans la Braïta, ça c'est Rabbi Yehuda Anassi dans la Mishnah. Il a expliqué, mais il a amené Rabbi Yehuda Bar Ilaï dans la Braïta quand il a élargi la Mishnah, qui n'est pas d'accord. Il dit qu'une souka que tu ne peux pas monter Yom Tov, elle n'est pas kasher. Il dit une souka en théorie, ce qui n'est pas kasher pour Yom Tov n'est pas kasher pour Yom Tov. On va voir. Oh. Mais en tous les cas, déjà comprendre le cas. Donc Tosfot, il dit que Rashi est venu pour te dire que même, c'est vrai que ça n'existe pas une souka comme ça, c'est compliqué. Non. Tu dis que même là, la Mishnah dit que Shera. Donc comment Rashi et Tosfot peuvent dire que dans ce cas-là, c'est pas sûr. Ils peuvent pas expliquer le cas du psoul alors que la Mishnah elle dit que Shera. Il te dit par rapport, non, il te dit Agbe Behema, même s'il y a un socle, elle est pas que Shera. Non, mais la Mishnah dit que Shera. Agbe Gamal. Non, venons lima biyom tov. Agbe Gamal Shera. Oui, pour Rabbi Meir, mais pour Rabbi Yehuda, il est psoul à avoir tout de suite. Ah. Rashi veut te dire, il est parti à l'extrême pour te dire qu'il y a des portes, pour te dire que même dans cette option, ça s'appelle chevaucher, c'est assourd de monter. On va voir tout de suite. Hein, déjà, j'ai expliqué le cadre. Maintenant, la Braïta, elle élargit le sujet de la Mishnah. On peut extrapoler une voiture. Hein. Ah. On peut extrapoler une voiture aussi. Non, la voiture, elle n'est pas assourd à Mahmad Atzma. Il n'y a pas un animal, il n'y a pas de xéra. La voiture, elle met en théorie, du moment où tu as enlevé la batterie. Tu arrives dans un endroit Shabbat, tu as pas où tu as une grande voiture private, ouais, où tu veux, où tu as un camion. Tu arrives à Erev Shabbat, tu dis allez, je me promène dans ma voiture et tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la batterie, tu l'enlèves. Donc ta voiture, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Tu ouvres Shabbat, tu descends Shabbat, en théorie, il n'y a pas de problème. Et tout seul. Ah, il y a quelque chose qui s'allume? Il y a des batteries. Il y a un débat entre le Rav Eliashiv et le Rav Ovadia Yosef dans l'ascenseur de Shabbat. Le Rav Eliashiv dit, vous n'avez rien fait dans l'ascenseur de Shabbat, même si vous voulez l'autoriser. Il y a un deuxième problème, que dans l'ascenseur, il y a un poids digital, que quand on arrive, on dépasse 400 kilos par exemple, si c'est autorisé 400, il bip. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu pèses tout de suite. Donc il dit, ce système, tu ne peux pas le neutraliser dans l'ascenseur, il n'y a pas un ascenseur. Rambo Dieu s'est dit, même quand je monte dans l'ascenseur, j'ai l'intention de monter et pas de me faire peser. Le Rambo Dieu dit non. Quand tu vois 5, 6, 7, 8 personnes, tu rentres et tu attends que ça bippe. Si ça bippe, tu sors. Il dit, ah, oui, tu es intéressé de savoir à la base. Ça déjà, ça se rajoute à ce que j'ai dit. Qu'il faut éviter l'ascenseur. Ouais, il dit, tu pèses. Il y a ce qui s'appelle aujourd'hui. Vous savez, à Bnei Brak, dans les compteurs d'eau, les compteurs ici à Ranana, ils sont compteurs électriques. Les compteurs à Bnei Brak, ils ne sont pas électriques, ils sont mécaniques. C'est-à-dire, ça tourne mécanique, l'eau, elle passe, ça tourne. Ici, non. Ils veulent avoir un compteur électrique, ils le branchent à un Wi-Fi pour ne plus envoyer des gens. Et ils marchent. Tout le temps, il marche. Donc, dès que tu ouvres l'eau, tu fais marcher le détecteur électrique qui est là-dedans. Et là, le Rav Eliashiv a dit, c'est un vrai problème de Khilul Shabbat. Arrête, tu sais, tu veux calculer ton eau. Tu veux savoir combien tu as consommé. Il dit, tu as consommé. Ils ont fait. Hein. Moi, je n'ai pas l'intérêt là-dedans. Pourquoi tu n'as pas un intérêt? Tu payes, tu veux savoir combien tu payes. Sûr que tu veux. Tu n'as pas un intérêt direct, disons. Ouais. Tu as un intérêt indirect. C'est comme la lumière qui s'allume et qui est dont je n'ai pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin? Bah, c'est déjà éclairé. Là, tu ne peux pas prendre l'eau sans calculer.
C'est un débat. C'est des choses, déjà, on rentre dans des choses très fines de Shabbat. Bon, en tous les cas, maintenant, on va développer le sujet dans la Braïta. La Braïta va essayer de développer cette idée de la Mishnah. La Braïta, déjà, et Rashi, ils ne veulent pas dire, ça les embête de dire Gamal, parce que quand tu dis Gamal, comment, il faut comprendre, la seule moyen de faire la souka sur un gamal, c'est la souka que je vous ai expliqué. C'est une boîte que tu mets sur toi. Non, on peut mettre un socle sur le dos. Comment tu mets un socle? Il a deux trucs. Comment tu vas mettre un socle? C'est impossible. En théorie, c'est très difficile de mettre un socle. On a vu des photos de. Gamal, c'est un ou deux, je me souviens. Il y a un, il y a deux. Deux bosses. Il y a deux. Un, c'est dromadaire et l'autre, c'est gamal. Dromadaire, une bosse. Dromadaire et charmant, deux bosses. En hébreu, c'est un socle. C'est une cravie là. On va mettre deux pour le prix là. Ouais. Non, t'as vraiment une photo d'un mec qui a fait un truc comme ça. Ah ouais, bravo. Je vois. Elle tient toute seule, sans personne. Elle tient sans personne. Sur les côtés, ils mettent. Écoute, on est. Ben, l'année prochaine, on met une souka sur tous les animaux de la prairie. On arrive avec des balles. À mon avis, elle ne tient pas. Ah, voilà. On peut la tenir, elle peut tenir. Mais Gamal, il faut s'asseoir sur la bosse. C'est, non, il a... c'est écrit dans notre paracha à nous. Parachat, non, il l'a fixé sur la selle. Parachat Chaye Sara. Chaye Sara. Chaye Sara. Vati Paul, mais à la Gamal. Ben oui. Dès qu'elle a eu une chose. C'est, le Gamal, c'est pas stable. C'est pas tellement stable. On va voir. La Torah ment pas. Alors, regardez. Alors, la Braïta, elle élargit un peu le sujet. Oh, le Gabé Gamal, maintenant, il mani. C'est qui l'auteur? Rabbi Meiri. Détania, regardez comment on élargit le sujet. Alors, c'est Soukatoa, le Gabé Béma. Rabbi Meir Marchir. Les Rabbi Yehuda Possel. Maïta m'a dit Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar Kra. Hag Soukota, c'est l'archivat Yamim. Souka, Réouya, les Shiva. Shema Souka. Souka, Shéna, Réouya, les Shiva. La Shema Souka, ça c'est Rabbi Yehuda. Donc, Rachid est venu expliquer, même si tu as un sort, puisqu'il est sur l'animal, ça s'appelle Rolial Gabébé Maïsa Souka. Rabbi Meir. Un ami midoraita, mirzahazia minatora, c'est bon. Verabanano de gazruba. Verabanano de gazruba. Donc il te dit, minatora, c'est cachère. Donc, minatora, j'aurais pu monter. Les valables minatora. C'est que Rahamim qui m'ont dit, ne monte pas. Marc Padli. Il a envoyé des photos. Ouais, j'ai vu, c'est bien. C'est de luxe. Ah, après, il y a des chemins. Mais ça, c'est, ce dessin, il n'est pas valable d'après Rashi. Le dessin, ouais. Il n'est pas valable d'après Rashi. Il n'est pas bon. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de socle en bas. Regarde, tu vois la bosse? Elle rentre dans le... Tu vois la bosse du chameau? Ça, et ça pour le chameau, oui. Ça, oui, ça d'après Rashi. C'est Rashi, ça. Ouais. Mais l'autre la, dessin qu'il a envoyé, il n'est pas bon. Les deux chevaux. Khazak Charlie. Et là, il a envoyé par contre. On a ici un autre Charles maintenant avec nous. C'est quoi? C'est la. C'est là, très bonne. C'est la motif. C'est là. Ah ouais, c'est là. Mitsuka. C'est là, très bonne. Ah, non, c'est là. Birlal, elle est autre chose. Regarde, c'est là. C'est là déjà les bases tiennent du sol. Ah, elles ne tiennent pas. Ça sert à rien. Ça. Ça, c'est le tirouj de Tosfot. Mais je n'aime pas le tirouj. Il n'a pas bien compris le Tosfot. Hein? Non, non, le sol, il tient que sur l'animal. Donc, pour monter dans la souka, je tiens sur l'animal. Le ridouj que Rachid te dit que c'est pas sûr. C'est ce qu'il a voulu dire, Tosfot. On peut dire qu'il est rentré là-dedans. Ouais. Bon. Alors, il nous dit. Alors, il dit Rabbi Meir, pour cette Rabbi de Marchir, Chaya Rabbi Meir, Omer. Kol davar sheyesh bo ruach haim en osim oto dofen lo dofen asuka velo lechi la mavoy velo pasim la birat. Maintenant, si c'est un mur, c'est déjà autre chose. On va voir. Bon, en tous les cas, on veut essayer de comprendre. Alors, la Braïta nous a expliqué qu'on a Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il a été possède
une souka qui tient sur un socle, même sur un socle selon Rashi. Pourquoi ? Parce que le socle, il est posé sur l'animal. Je considère que ça s'appelle chevaucher. Il y a la xéra de Chachamim. Même que je ne m'assois pas et que je ne suis pas censé à donner des coups à l'animal pour. Il n'y a pas le xéra, xéra. Parce que chevaucher un animal, chevaucher, c'est d'être assis au milieu, un pied ici et un autre pied de l'autre côté. Ça, ça s'appelle chevaucher. Ça, c'est la xéra, normalement. Ils ont été gozrim bekolel. Tout. Tu ne montes pas sur un animal koleika, klalveika. Même s'il y a un socle, même s'il n'y a pas de socle. Ah, même dans le cas des deux chevaux où il y a une base. Vu qu'on est sur le cheval. Il y a fait. Maintenant, la question, c'est est-ce comme je ne peux pas monter le Yom Tov Rishon, c'est Yom Tov. Alors, ce n'est plus une souka de 7 jours. Et Rabbi Yehuda, il a dit, il faut une souka de 7 jours. Shiva Tiamim. En Shiva Tiamim. Pasoul. Rabbi Meir, il dit non. Qui c'est qui t'a dit que ça a son Chachamim. Aremina Torah, c'est moutard de chevaucher un cheval Yom Tov ou Shabbat. C'est qu'après, la Xéra, elle est venue, à l'époque de Ezra. Ezra voulait donner une idée au Shabbat. Il a interdit. Minatora, c'est cachère. Moi, je ne monte pas parce que j'ai un lion qui s'appelle des Rabanan qui m'ont dit ne chevauche pas. C'est cachère. Donc, Masuka, elle est kshira. Minatora. Masuka, elle est kshira. Non, alors, parce que Masuka, elle est kshira. Minatora, elle est kshira 7 jours. Genre, je peux monter, Chola Moed. C'est Rabbi Meir, ça. Il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il n'accepte pas l'exemple. Ni, il accepte. Il accepte. Mais il dit, mais Minatora, comme elle est cachère le premier jour, elle n'a pas rendu la souka inapte. Il dit, c'est-à-dire de là on voit, intéressant, de là on voit, admettons qu'on aurait eu un issur Minatora de monter dans la souka le premier jour. Et ma souka, elle n'est pas valable. Il serait d'accord dans l'idée qu'une souka qui n'est pas valable pour les 7 jours Minatora, elle est psoula. Tu ne peux pas dire qu'une souka, elle est. T'as compris ? Alors la Mishnah se contredit. Ah, la Mishnah n'est pas cohérente. Non, non. Si. Non. Pourquoi ? Elle a l'or l'imam Tov. Et non, il n'a pas l'imam Tov. Alors ? Non, parce qu'il te dit. Parce que Minatora, et non, l'imam Midera Banan, l'imam Tov. D'accord. Il te dit la souka, elle est kshira, Minatora. On est d'accord. Okay. Midera Banan. C'est-à-dire que même Rabbi Meir et même Rabbi Yehuda l'ichora ici dans ce sujet. C'est d'accord. Ils disent qu'une souka qui est faite pas pour 7 jours, elle est psoula. De là vient une idée intéressante. Les poskim me parlent d'une question. Je pense que c'est Raphaël qui m'a posé la question la veille de Soukot, si je me rappelle bien. Tu m'as dit que tu allais voir passer la fête chez ton fils. Ou quel... Je ne sais pas si c'est toi. Quelqu'un qui m'a posé la question, question intéressante. Il dit, je vais rester que le premier jour de Yom Tov chez moi. Et je m'en vais après toute la fête. Je suis pas à la maison. Je vais voir mes enfants. Je vais à l'hôtel. Est-ce que j'ai le droit de démonter ma souka tout de suite, Motsaé, Yom Tov? J'ai pas envie que la souka elle prenne de l'eau. J'ai pas envie. Je t'ai posé la question de partir à Chol HaMoed. Ah. Alors dorénavant, j'ai envie de construire une souka qui est que pour un jour, pas plus que ça. Est-ce que ma souka elle est cachère? Ou elle n'est pas cachère? Attends, est-ce que ma souka elle est cachère? Je l'ai construit dorénavant, je suis là que pour un jour. J'ai pris une chambre d'hôtel. Si je la demande, c'est pas bon. J'ai pris une chambre d'hôtel avec le balcon. Et moi, je suis venu avec ma souka, je l'ai montée là-bas. Mais je dois partir de l'hôtel. Il faut que j'enlève ma souka. Comme cette souka, elle va être construite que pour un jour, elle n'est pas faite pour 7 jours. Est-ce qu'elle n'est pas saoule ou elle est cachère? On ne parle pas que combien de temps je vais la mettre dedans. Est-ce qu'elle est réouïa tenir pendant 7 jours? Non. Là, c'est un issur Minatora. Qu'est-ce que tu dis, Charlie? Charlie, pense et dis-nous demain la réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Pensez. Elle est cachère. Où ça ressemble au cas? Demain, chacun qui pense dans la, dans la journée, qui dit. Non, on a dira depuis le début qu'on allait d'après le Khefza, pas d'après le Gavra. Alors, il a fait. Alors, est-ce que ça ressemble à une souka qui ne tient pas 7 jours ou tu dis non? La souka, elle-même, elle ne tient pas par l'hôtel, mais par elle-même, elle tient. Par elle-même, j'aurais plus le droit de rentrer Yom Tov. On va voir. Bah, on va donner l'heure là, ma main de la.